Félicitations, comme moi d'ailleurs. Vous comprenez un peu mon irritation, mais mon irritation, elle est combinée par autre chose. Je suis un cas contact vacciné, donc je ne suis pas obligé de me mettre en quarantaine. Pourquoi je suis un cas contact? Parce que la prof de danse de ma belle-fille, une dame qui donne des cours, n'est pas vaccinée et n'a pas mis de masque pendant ses cours. Résultat, il y a une partie non négligeable de ses élèves qui sont infectés. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Vous l'aimerez ou vous ne l'aimerez pas. Les gens qui ne se vaccinent pas sont des égoïstes et des gens d'une rare stupidité. Point final. Il n'y a pas d'autre explication. C'est complètement irrationnel de ne pas se vacciner. Oui, j'imagine bien, certains d'entre vous auront de très bonnes raisons de ne pas se vacciner. Ils ont, oh mon Dieu, une phobie des piqûres. Ou bien ils n'aiment pas qu'on leur dise le faire. Attitude propre des enfants de 3 à 6 ans. Moi, j'en ai un peu marre de cette situation et je vous le dis, vous pouvez le transmettre. J'en ai un peu ras la patate que les gens disent, oui, la liberté individuelle. On s'en fout de la liberté individuelle. Ça commence par penser aux autres. Ça ne commence pas par penser à soi-même. Bien, on peut continuer. Vous êtes là, hein. Je suis désolé, c'est vous qui ramassez. Ce n'est pas vous qui devriez ramasser. Mais j'aimerais que vous transmettiez mon irritation plus loin. Et je pourrais vous faire lire la lettre que mon fils, qui est un scientifique, les chiens ne font pas des chats, a écrite à la dame en question. Je pense que ça résume assez bien la situation. Bien. Après l'irritation, revenons aux choses propres. Alors ne vous approchez pas de moi, d'accord? Si vous avez des questions, vous resterez à 2,50 m. Étant vacciné, je suis peu probablement dangereux, mais ça ne veut pas dire pas du tout. Inutile de dire que ma belle-fille était vaccinée, mais a quand même attrapé le Covid. Bien,